Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va continuer un petit peu ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc, j'ai repeint entre-temps l'étagère qui est juste derrière moi. Je vous ai pas filmé une énième couche de peinture. J'ai repeint par contre la table. Ensuite, il va me rester finalement plus qu'une couche sur le tiroir que j'ai finalement remonté. Mais là, je vais essayer de pas tomber. J'ai peint une couche hier, mais il m'en reste une deuxième. Ensuite, nous allons remédier au rangement parce que forcément, j'ai vidé l'étagère, il y en a un petit peu partout, par terre. Et puis ensuite, bah écoutez, on verra un petit peu fur et à mesure ce qu'on va faire. On va déjà commencer, je vais vous laisser de toute façon avec la vidéo pour la peinture de la table. Comme je vous dis, je ne vous ai pas refilmé la peinture d'étagère, hein, je vous ai épargné une troisième couche. Et puis on se retrouve pour le rangement. Et puis après, on verra. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo.
On se retrouve bon, quelques jours plus tard, hein. De toute façon, c'est ce que je vous dis, les vidéos, elles se font sur plusieurs jours, forcément. Alors, déjà, je suis contente, l'atelier est rangé, l'étagère est toute propre, toute rangée et tout, donc déjà, c'est beaucoup plus simple pour travailler. Et puis moi, je déteste travailler dans le bazar et tout ça, et là, là, c'est nickel. Je voulais prendre aussi un petit peu de temps pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que je suis bien. Je vais me rapprocher un petit peu. Je trouvais que j'étais bien loin de vous. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Alors, il y a une abonnée, il y a pas longtemps, une abonnée donc qui me suit, qui m'a découvert sur la chaîne YouTube, qui s'appelle Nathalie, qui va se reconnaître. Je te fais un gros bisou. Qui m'a fait découvrir. Eh ben, ça commence mal, hein. Une chaîne YouTube. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne dans la barre d'infos. Elle s'appelle Céline. Et Céline donc fait des vidéos YouTube sur des hauls déco. Enfin voilà, elle a son univers à elle. Et dans une de ses vidéos, c'est vrai que moi là-bas je la connaissais pas. C'est mon amie Nathalie qui l'a découvert sur YouTube. À un moment donné, sur une de ses vidéos, elle parle comme quoi si on est créateur et si on veut lui envoyer quelques produits, elle parlerait volontiers de nos produits. Donc Nathalie me partage la vidéo, je rejoins donc Céline sur Instagram, je commence à lui parler un petit peu et je lui demande effectivement si... voilà, si c'est toujours ok pour elle de parler des produits de créateur ou créatrice. Elle me dit oui, bien sûr, avec plaisir, sans problème et tout ça. Donc on échange un petit peu sur Instagram et tout ça. Et je découvre une personne déjà très gentille parce qu'on s'est fait des petits messages vocaux. C'est quand même plus sympa. Et voilà, et donc je décide, je me dis bon, bah allez, puis en plus... Elle adore de toute façon les bougies et surtout les fondants parfumés. Donc je me suis dit, bon, on va lui faire plaisir je vais lui envoyer quelques fondants parfumés. Donc je lui demande déjà au préalable de regarder les senteurs que j'ai sur la boutique puisque j'en ai quand même quelques-unes. Elle me dit, écoute, moi je suis pas difficile, j'aime tout. Franchement, j'ai vu ce que tu as fait sur la boutique et voilà, tout a l'air vraiment super. Donc fais ton choix. Donc je me dis bah je vais lui envoyer un fondant de chaque senteur, comme ça elle pourra, voilà, elle aura toute la liberté de tous les découvrir. Je lui envoie le colis, je lui demande bien sûr de me prévenir quand elle le reçoit, si c'est tout bon, si tout est en bon état et tout. Logiquement il n'y a pas de problème, mais bon, vous savez, les transporteurs ne sont pas toujours très délicats avec les colis. Donc tout est nickel et elle fait la vidéo montrant mes produits. Et là j'ai vu la vidéo. Elle a montré un par un chaque fondant. Elle a parlé de moi. Franchement, j'en ai presque envie de pleurer parce que c'est tellement touchant de voir des gens aussi gentils, aussi généreux, qui ne demandent rien. Alors oui, bien sûr qu'en retour, je lui offre quelques fondants, mais sincèrement. Sincèrement, aujourd'hui, on vit dans un monde où l'argent, sans argent, on ne peut rien faire. Et ça m'a touchée la façon dont elle l'a fait, parce qu'elle a vraiment pris du temps sur sa vidéo pour moi. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien de la vidéo en barre d'infos. Parce que d'une certaine façon, on ne se connaît pas, on a échangé quelques messages. Elle adore l'univers des fondants, mais déjà d'une, elle n'avait pas forcément vu mes produits avant. Là, elle les reçoit, elle les sent, elle l'adore, elle montre un à un chaque fondant, elle détaille la senteur. Mais vraiment, ouais, j'ai pas de mots tellement ça m'a touchée, tellement ça m'a émue. Et suite à ça, j'ai eu pas mal de retours. Déjà des abonnés sur YouTube, si vous êtes là aujourd'hui sur la chaîne, merci beaucoup en tous les cas, grâce à elle, de m'avoir découverte et d'être venue vous abonner. J'ai eu aussi des abonnés sur Instagram, on va dire que, parce que bien sûr, elle a mis tous mes liens, franchement, ça c'est pas, voilà, c'est pas tout le monde qui le fait non plus, tous mes liens à moi,
dans sa description, ce qui fait que dans sa description vous pouvez retrouver mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, mon site internet, enfin tout. Et grâce à elle, j'ai eu 2 commandes. Alors peut-être que vous allez dire, oh c'est tout. Non mais c'est juste immense. Vous savez, je me suis jamais cachée pour vous dire les difficultés que j'avais pour me faire connaître et pour faire découvrir ma marque, même si j'avance petit à petit, mais j'avance, hein, de toute façon, voilà. Ça n'avance pas comme ça en un claquement de doigts. Donc j'ai eu mes 2 premières commandes grâce à elle, enfin première commande, j'ai déjà eu des commandes, mais là de cette façon là, des gens qui viennent découvrir les fondants parfumés et qui viennent passer des commandes de cette façon là, en tous les cas c'est la première fois. Et je vous assure que 2, c'est comme si on avait eu 100, quoi. D'une certaine façon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire et mon ressenti. C'est juste génial. Donc, aujourd'hui, nous allons préparer ces commandes. Des petites commandes de fondants. Les gens vont découvrir les fondants. Et en plus, j'ai eu également des gens qui se sont abonnés à la newsletter. Je vous fais d'ailleurs une petite parenthèse parce que je ne pense pas en avoir forcément parlé sur la chaîne. Vous avez la possibilité, lorsque vous allez sur mon site, vous avez un petit pop-up qui s'ouvre où vous pouvez rentrer votre boîte mail. Alors je sais que souvent les gens vont dire oh, on a ras-le-bol, on reçoit des mails et tout ça, mais je vous explique. Le but c'est pas de vous harceler en tous les cas. Alors vous laissez votre boîte mail, vous recevez un code, non je vous dis des bêtises, vous recevez un mail où vous allez cliquer sur un lien qui va vous permettre de vous abonner à la newsletter. Suite à ça, vous allez recevoir un deuxième mail, vous inquiétez pas, c'est tout. Et sur ce mail, vous allez avoir un code de réduction de moins 10% sur votre première commande. Et après cette newsletter, finalement, vous inquiétez pas, je n'en envoie pas toutes les semaines, on va dire grosso modo tous les mois. Quand il y a des nouvelles collections, des choses comme ça, forcément je vous mets au courant, donc vous allez en recevoir un tout petit peu plus. Mais on va dire qu'autrement, en temps normal, ça va être une par mois où je vais vous donner des petites nouvelles de ce qui peut se passer en coulisses, de mon ressenti, des choses comme ça, de vous partager un petit peu ce que je fais. C'est tout. Mais voilà, donc en tous les cas, j'ai eu quelques abonnés également sur ma newsletter. C'est vraiment, enfin, que des cadeaux, quoi, vraiment. Donc en tous les cas, si vous avez si vous avez des questions, si vous avez des doutes, des choses comme ça, n'hésitez pas. Et sincèrement, si vous voulez découvrir les fondants, je vous invite, enfin mes bougies aussi bien sûr, mais si vous aimez aussi les fondants, je vous invite à les découvrir. J'en ai quelques-uns en tous les cas sur ma boutique, dans des senteurs totalement différentes. Si vous aimez le sucré, si vous aimez le floral, il y a un peu de tout, vraiment. Vous pouvez faire vos ils sont vendus à l'unité pour la plupart, et vous pouvez faire un petit peu votre petit panier et découvrir plusieurs senteurs à la fois. Les fondants, écoutez, j'ai pas le prix en tête là exact, mais voilà, vous avez des prix qui sont assez petits. Je fais également bien sûr les bougies chauffe-plat, tout est fait. Et alors, je vais pas vous le faire, pas me montrer aujourd'hui, mais je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière. Là en ce moment, il y a une nouvelle collection qui arrive très bientôt. Là, j'ai la tête un petit peu et les brûle-parfums aussi, tout y est. Donc n'hésitez pas, et si vous voulez me soutenir, je sais que c'est peut-être un petit peu gonflé de vous dire ça, je ne sais pas, mais pour me soutenir, déjà en vous abonnant à la chaîne, ne serait-ce que ça, mais en passant une petite commande, vous savez, même une petite commande d'une dizaine d'euros, des choses comme ça, voilà, ça peut faire toute la différence pour moi, je vous assure. Bon, donc on va préparer les commandes, là je vais éditer parce que les deux donc veulent être livrés en Mondial Relais, j'en profite aussi pour vous dire que sur la boutique, vous avez l'option Mondial Relais, vous avez l'option Colissimo avec ou sans signature, et vous avez également le Click and Collect. Ce qui fait que si vous habitez à côté de chez moi, vous pouvez venir jusqu'à mon domicile pour chercher le colis et vous n'avez pas de frais de port. Voilà, donc là, je vais éditer la facture. Non, pas la facture, l'étiquette de livraison, et on va faire les colis. C'est parti.